Les amis, cette séquence est la seule séquence filmée sur place car j'ai complètement oublié de filmer les autres bons vlogs. Les amis, Bruxelles est fort connue pour sa grande place, Mannequin Peace, etc. Mais si aujourd'hui on est là, c'est pour le Festival BD. C'est la cinquième année où il y a un festival BD à Bruxelles et je suis enfin rentrée. On se fait un débrief. Pour commencer, j'ai eu la chance de me faire dédicacer Bushido et Imbattable par leur auteur respectif. Alors pour faire simple, Bushido c'est l'histoire de Yuki, un jeune apprenti qui va vouloir devenir samouraï grâce à l'aide d'un sensei un peu spécial, on peut dire ça. Personnellement, j'adore cette BD, le style graphique est un style graphique que je surkiffe. Si vous voulez aller voir les Instagram de Thierry Gloris et de Gorobei, il s'affiche juste là à l'écran. Maintenant, passons tout de suite à la deuxième BD dont le héros est beaucoup trop méconnu, j'ai nommé Imbattable. Dans cette BD, le super-héros a le super pouvoir de pouvoir se déplacer dans les cases, ce qui fait des strips très animés, très dynamiques. Merci beaucoup à Pascal Jousselin d'avoir fait ma dédicace. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que je partage avec les auteurs. J'adore également le style graphique d'Imbattable et toute son histoire en général. Si vous voulez vous procurer ces deux BD et bien d'autres, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a le site de Dupuis, il y a le site pour aller acheter Bushido ou Imbattable. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude, ça me ferait super plaisir et ça m'aide à avancer. Désolée de ne pas avoir fait de vidéo durant ces derniers mois, je sais, ça peut paraître long. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que je voulais faire sur ma chaîne YouTube, maintenant je suis fixée. Je sais que j'adore faire des vlogs et que je veux faire des vlogs sur à peu près tout ce qui pourrait être intéressant. Et aussi de l'high-tech parce que j'adore les nouvelles technologies. Malheureusement pour vous, si vous avez rejoint la chaîne pour le gaming, je vais un peu laisser tomber pour le moment. Donc voilà, nous on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao !